Raza qui a pris un excellent départ alors qu'Oscar vient en seconde position. On est là également avec Roméo qui va tenter de venir parmi les premiers. Zach du numéro 8, Ulix du Val-Saint-Pierre, grincheux de l'étape et Dany de l'étape n'est pas loin actuellement. Les concurrents qui sont à la sortie du tournant, ils vont aborder la phase finale de cette épreuve. Et bien un peloton très groupé dans cette course avec tout. Est en tête avec Oscar qui va tenter de venir, lui qui a déjà gagné ce matin, alors qu'on est là avec Ulix du Val-Saint-Pierre, avec Grincheux d'étape et Dany d'étape, les concurrents qui sont maintenant à moins de 400 mètres du disque final, avec on repart de plus belle en tête et la lutte fait rage entre deux poneys actuellement, avec donc Dany d'étape tenter de repartir. C'est l'as Coq Pastoru qui va, semblait-il, s'imposer juste devant le numéro 8, Ulix du Val-Saint-Pierre. L'as, le 8 ou le 8 et l'as. L'as, le 8 ou le 8 et l'as. Je pense que c'est l'as. Le troisième, je ne l'ai pas vu parce que le numéro ne dépassait pas du public. Reste-t-il des candidats? Oui, qui arrive au trot, poursuivi par... C'est un peu comme tout à l'heure, il y en a un qui ne veut pas aller jusqu'au bout. Et nous avons le numéro 2 sous les applaudissements, le numéro 2 qui est en fait le numéro 4. Biloute de Malicorne, qui est emmené. Non mais il faudrait aller au galop, non? Bon, bon, on va aller au trot alors à ce moment-là. Le poteau est dans 10, 8, 9, 7. Ah, va-t-il arriver au bout avant de s'écrouler derrière le poteau? Oui, il a franchi. Quel courage, quelle abnégation.